إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. تفضل سمير. مرحبا بكم. Bienvenue à vous en cette soirée du 24 Shawwal 1442 de l'Hégire correspondant au 5 juin 2021. Pour la première session de cette nouvelle série de questions-réponses avec notre cheikh Mohamed Chalabi, hafidhahullah ta'ala. Jazakallahu khair, barakallahu fik, tawakkalna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, vos questions sont bel et bien arrivées, walhamdulillah. Donc on va commencer par la première question, inshallah, choisie d'après les critères précités. Mais avant cela, et juste pour rappel, voici les principaux critères de sélection des questions. Premièrement, la question sur la aqida, yani la croyance, est privilégiée sur toutes les autres sortes de questions. Deuxièmement, deuxième critère, hormis la aqida, la question sur les cours précédents ou le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, est privilégiée sur toutes les autres sortes de questions. Troisièmement, la question courte, concise, succincte et bien rédigée est privilégiée sur la question longue, prolixe, confuse et embrouillée. Quatrièmement, de même qu'il n'est pas permis de poser plus d'une question par personne au risque que la question ne soit pas prise en considération. Cinquièmement, enfin, et pour rappel, ne sera pas prise en considération toute question posée dont on ne tire aucun profit de sa connaissance, à l'instar de « Quelle est la couleur du chien des gens de la caverne ?» Ahlul Kef. Ou alors, quel est le nom de l'épouse d'Iblis? Donc, sans tarder, on passe à la première question. Bi-idhnillah azza wa jal. Cheikh, on vous entend souvent dire la parole Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah me suffit, il est le meilleur garant. Est-il permis de dire cette parole contre ses frères en islam dans un moment d'injustice provoqué par ces derniers? Pseudo-zoom du questionneur Abu Ibrahim. On va essayer de répondre, inshallah ta'ala, mutawakkilin Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, cette question, hasbunallah wa ni'mal wakil, il faut d'abord connaître c'est quoi son sens. Ensuite, voir yani, où et dans quel contexte on peut l'utiliser. Samir, le son, il est bien? Na'am, très clair. Alhamdulillah. Donc, laissons Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimallah ta'ala, yani, nous expliquer un peu ce que veut dire na'am. Et c'est quoi le sens de Hasbunallah wa ni'mal wakil? Il a dit dans son livre Sharh Riyad Salihin, tome 1, page 542, je cite, Hasbuna, c'est-à-dire celui qui nous suffit dans nos affaires et calamités. Wa ni'mal wakil, il est le meilleur dépositaire et le meilleur secours. Cheikh continue et dit, mais il donne la victoire à celui qui cherche la victoire en revenant vers lui. Voilà, c'est une condition. Il donne la victoire à qui? À celui qui cherche le secours, mais en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas en allant vers les gens demander le secours. Car il est le plus généreux des plus généreux. Donc, si la personne se tourne vers lui et dans ses affaires, il l'aide et lui facilite ses affaires. Mais le malheur vient des enfants d'Adam et de leur détournement d'Allah et leur fait de se baser sur ce qui est matériel plutôt de ce qui est spirituel.
spirituel, les douas, revenir vers Allah. Non, matériel, yani, il court derrière des gens, il court derrière des avocats, je ne sais pas quoi. Même si, bien sûr, ce n'est pas interdit de prendre un avocat, mais avant l'avocat, je dois revenir yani, avec mon cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, et faire des douas, bien sûr. Donc, je dis, c'est permis, en répondant à la question, c'est permis de dire « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Surtout contre yani, un kafir, mais même contre yani, un musulman ou son frère. Si la personne a été lésée ou se sent affligée, par exemple, par certains propos ou comportements indignes ou autres. Même si cette doua « Hasbunallah wa ni'mal wakil » n'implique pas toujours, comme le croient beaucoup, qu'en la disant, cela veut dire qu'on a fait des doigts contre autrui. Mais plutôt, quand on dit cette phrase, on a invoqué Allah Azza wa Jalla de nous aider, de nous secourir, yani d'alléger nos soucis et aussi de nous donner une issue favorable. La preuve de cela, c'est le hadith de Abu Sa'id, al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu. Il se trouve dans le Silsila Sahiha de Sheikh al-Albani sous le numéro 1079. Que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, il a dit, comment pourrais-je me réjouir alors que celui qui va souffler dans la trompe, c'est-à-dire Israfil alayhi salam, a certes collé la trompe à sa bouche, plissé le front et a prêté l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. C'est-à-dire, comment je vais me réjouir alors que c'est bientôt la fin du monde, il veut dire. Alors, comme ceci, cette parole affligea les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont demandé, c'est quoi la solution? Il leur dit, dites, hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allah tawakkalna. Donc, vous remarquez que quand les compagnons apprirent que l'ange Israfil alayhi sallam était sur le point de souffler dans la trompe, et que ceci les affligea, alors le prophète alayhi sallam leur intima de dire, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, ils n'ont pas dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil », sauf dire qu'ils sont contre Israfil. Quand je dis « Hasbunallah wa ni'mal wakil », ce n'est pas toujours yani, que je veux du mal à celui qui l'a dit ou là, je lui fais des doigts contre lui. Non, mais je cherche plutôt moi, yani, comment, c'est quoi le secours? Et je cherche une issue favorable et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger yani, les problèmes, les soucis que j'ai. Non, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça. L'imam Nasa'i, rahimahullah ta'ala. Il a cité cette phrase, il dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil, il l'a cité dans le chapitre, dans son livre qui s'appelle Amal Yawm wa Layla. Il a cité ça dans le chapitre, ou sous le chapitre, que dit-il quand il craint un peuple? Quand quelqu'un craint quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Ou là, il craint des gens. Il dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et même l'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, l'a cité aussi, cette invocation, dans le chapitre, dans quel chapitre? Chapitre, invocation à dire lorsqu'il rencontre l'ennemi et celui qui craint, et aussi yani, celui qui craint un sultan ou autre. Il craint le gouverneur ou un autre, ou une personne yani, qui veut lui faire du mal. Il dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil, qu'il soit musulman, qu'il soit kafir. Mais, d'ailleurs, même le prophète Aslam, il l'a dit aussi. Et Ibrahim, quand on l'a jeté au feu, alayhi salam, il l'a dit aussi. Et le prophète alayhi salam l'a dit aussi dans le contexte الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc certains ont voulu faire peur يعني à d'autres. Non, d'autres c'est le prophète alayhi salam et les sahaba. Qu'est-ce qu'ils ont dit? حسبنا الله ونعم الوكيل. Mais comme disent les savants, celui qui dit cette phrase حسبنا الله ونعم الوكيل envers quelqu'un, si celui qui l'a dit, il a dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil » est vraiment lésé, on lui a fait du tort, du mal, c'est permis. Et l'autre, la personne sur laquelle a été dite cette phrase, il doit faire tawba, il demander pardon. Non. Mais si par contre la personne est innocente, alors ce n'est pas permis de dire cette phrase. Et certains ont cité que même le gouverneur peut yani, punir cette personne pour avoir dit cette phrase. Naam, sans que la personne soit lésée ou que, sans raison, disons. Wallahu azza wa jil a'lam. Deuxième question, bi'ibnillah. Comment répondre aux chrétiens évangélistes qui disent qu'Allah est un, capable de toutes choses,
Et il est donc capable de se diviser en une part humaine sur terre tout en restant un au ciel. Je dis, Allah Azza wa Jalla, Adam, d'abord. Il ne faut pas trop rentrer dans les polémiques et les débats avec les chrétiens ou les juifs ou autres, et aussi même avec les sectes égarées parmi les musulmans aussi. Non, on a dit, quand on n'a pas les bagages nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on peut, la chose peut se renverser contre la personne. Non. Et il va se trouver sans preuve pour répondre, et l'autre, bien sûr, va croire que donc, c'est lui qui a raison. Voilà, j'ai posé une chouba, tu n'as pas de réponse. Poser une question, tu n'as pas de réponse, donc c'est moi qui ai raison. Comme ça, ils vont penser. Et ce qui est plus grave, c'est que la personne, yani, va revenir avec un cœur, yani, plein de soucis, de choubouhat et d'ambiguïté. Non, surtout les chrétiens, ils ont beaucoup de quoi? Beaucoup d'ambiguïté. Et la plupart d'eux, jusqu'à présent, ne savent pas, yani, c'est qui leur divinité. Nous, les musulmans, alhamdoulilah, on a la certitude et la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et on n'a aucun doute sur cela. Car on sait, yani, que rien ne peut entraver la volonté d'Allah azza wa jalla quand il veut faire quelque chose. C'est-à-dire s'il voulait, yani, descendre sur terre, ou là, comme dit cette personne, être haut, être en bas. Un exemple, l'injustice. Allah ta'ala ne la fait pas. Mais il ne la fait pas, non pas car il ne peut pas la faire. Allah Ta'ala peut tout faire, à la Kulushin Qadir, mais plutôt car c'est lui qui se l'est interdit pour lui-même. Comme dans le hadith authentique rapporté par Muslim, « Ô mes serviteurs, je me suis certes interdit d'injustice et je l'ai rendu illicite, c'est-à-dire je l'ai interdit entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » Donc c'est Allah Ta'ala qui s'est interdit d'injustice et ce n'est pas, il ne peut pas la faire. Donc pour revenir à la question, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il n'y a que créateur et création. Qu'est-ce qu'il y a dans tout ce monde? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a créateur, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, et création. Il n'y a pas une troisième chose. Ou bien, comme a dit Allah ta'ala, « Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun » C'est-à-dire, ou bien tu es créateur, ou bien tu fais partie de la création. Et Allah azza wa jalla, c'est le créateur, et l'humain, c'est la création. Et Allah azza wa jalla ne ressemble pas à sa création et sa création ne lui ressemble pas. Comme il a dit, nous, ce n'est pas comme les chrétiens. Les chrétiens, il y en a qui croient que Allah Ta'ala vient sous forme humaine, vient tout ça, il n'y a pas chez nous, chez notre Allah Subhanahu wa Ta'ala. Notre Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas leur divinité, ce n'est pas la même. Donc, Allah Ta'ala, laisse qu'un mitlihi, rien ne lui ressemble. Il est au-dessus du trône pour les croyants. Enfin, quant à eux, ils ont une croyance très déviée, que Allah Ta'ala nous protège. Alors qu'ils pensent qu'ils veulent, il y a le jour du jugement. Tfadlal. Jazakumullah khairan, Cheikh Barakallahu fikum. Donc, troisième question. Est-il permis d'espacer volontairement les naissances de nos enfants afin de se reposer entre chaque grossesse? Et si cela est permis, quelles sont les conditions? On a posé cette question à Cheikh Ben Baz. Je lis, quel est le jugement islamique concernant le contrôle des naissances par l'utilisation de pilules contraceptives ou de stérilets ou de toute autre chose qu'Allah vous récompense? Et quel est le jugement pour empêcher définitivement la grossesse après un certain nombre d'enfants? Réponse du Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Quant à l'espacement des naissances, il n'y a rien de mal en cela s'il y a un besoin. Comme si elle a beaucoup d'enfants et qu'il est difficile pour elle de les élever, ou parce qu'elle est malade, ou pour d'autres raisons que des médecins dignes de confiance ont vues. Il n'y a aucune objection à ce qu'elle empêche la grossesse pendant un an ou deux, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle soit debout pour qu'elle puisse élever ses enfants, ou jusqu'à ce que la maladie soit diminuée chez elle. Mais sans besoin, non. Les pilules ne doivent pas être prises et les grossesses ne doivent pas être évitées. Sans raison. Parce que le Tout-Puissant, l'Allah Tout-Puissant nous a légiféré les causes de l'augmentation de la progéniture. Et parce que la grossesse est la grâce d'Allah Azza wa Jalla sur le serviteur, c'est une grande ni'ma qu'Allah te donne. C'est une grande ni'ma qu'Allah te donne, ça c'est moi qui l'ai dit, hein, Cheikh Hadi, et parce que la grossesse est la grâce d'Allah sur le serviteur, sur le serviteur. Et l'enfant apporte sa subsistance avec lui, le risque.
Et dans son éducation et sa fatigue, il y a une grande récompense avec la bonne intention. Tout ça, Cheikh explique que yani, la grossesse, c'est une grâce d'Allah Ta'ala sur le serviteur. Alors, il n'est pas nécessaire de prendre des pilules ou de s'organiser, à moins qu'il n'y ait un intérêt et un besoin qui l'exige, comme le fait d'avoir beaucoup d'enfants et la difficulté d'éducation, ou la maladie dont souffre la mère, ou d'autres raisons valables, que ce soit avec pilule, stérilet, piqûre ou tout autre moyen de réguler la grossesse. Quant à empêcher la grossesse définitivement, il n'est pas permis de l'empêcher complètement, sauf pour une raison, si la grossesse est un danger pour sa vie. Et les médecins ont mentionné que la grossesse est dangereuse pour elle, donc il n'y a rien de mal à l'empêcher. Sinon, c'est interdit. Et il ne lui est pas permis d'empêcher la grossesse définitivement parce qu'il lui est recommandé de chercher des enfants et de se marier. Et son mari, il lui est également recommandé de chercher des enfants et elle peut faire cela, c'est-à-dire enlever définitivement, par exemple, la grossesse. Elle peut faire cela et le regretter beaucoup. Et le regretter plus tard amèrement. En résumé, il n'est pas permis d'empêcher la grossesse définitivement, sauf pour une raison utile, qui est la peur de la mort, si la grossesse est une menace pour sa vie. Ça veut dire, à part cela, ce n'est pas permis, d'après ce que voit le Cheikh bi'idhnillahi ta'ala. On passe à la quatrième. Quatrième question, bi'idhnillah. Beaucoup de femmes ayant fait la hijra retournent en France au moment de l'accouchement, puis repartent en terre d'islam après avoir accouché. Je voudrais donc savoir si l'accouchement était une raison légiférée afin de voyager en terre de mécréance. Comme réponse, Allah Azza wa Jalla alam, naam, yani ce n'est pas une raison valable. Pourquoi? Quelqu'un, quand il fait la hijra, il ne doit pas comme ça yani, facilement retourner vers le pays de Kuffar. Mais il faut qu'il y ait vraiment une raison yani, valable. Et nous, on sait qu'il y a des millions, voire des milliards de femmes qui ont accouché dans un pays musulman et rien ne leur est arrivé comme mal. Elles sont vivantes, alhamdoulilah, et se portent bien et n'ont aucun problème. C'est une question de tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question de tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qui est très important à ne pas oublier, c'est qu'en allant là-bas, bien sûr, la personne, yani, va avoir beaucoup de haram, va entendre beaucoup de haram, donc ceci. Et aussi, le fait d'accoucher nécessite obligatoirement de découvrir sa aura. Tout le monde sait cela. Or, montrer sa aura à un médecin musulman est moindre mal que de la montrer à un kafir. Il se peut que dans l'hôpital, que ce soit l'homme qui l'accouche ou qui vient voir ou je ne sais pas quoi, elle est dans un problème. Un homme musulman qui voit la aura de la femme, même si ce n'est pas bien, c'est pas, mais il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est moindre mal que de montrer sa aura à un kafir, un khabith. Donc, la personne, tout que Allah subhanahu wa ta'ala, elle va à l'hôpital dans un pays musulman et tout est question de quoi ? Question de ajl. Non, tout est question de ajl et tatawakkal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala donnera une issue favorable bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non, tayyib, on passe à la cinquième question. Barakallahu fikum, Cheikh. Ahsanallahu ilaykum. Cinquième question. Est-il permis d'utiliser le vinaigre d'alcool dans les plats que l'on cuisine? Cette question, yani, ou disons la réponse à cette question, il faut dire que yani, il y a depuis longtemps, depuis les premiers savants en islam, il y a une divergence en cette chose. Mais ce qu'il faut savoir au préalable, et premièrement, c'est que si le vin est devenu vinaigre par lui-même, sans traitement, alors il n'y a pas de contestation quant à la licéité d'utiliser ce vinaigre qui provient du vin. Et la même chose, si le vinaigre se transforme, lorsqu'on le met, par exemple, on le transfère du soleil vers l'ombre, ou bien de l'ombre vers le soleil, et ensuite il devient vinaigre, alors qu'il était vin.
ici, il n'y a aucune divergence parmi les savants que ce vin devenu vinaigre est permis bi'idhnillah ta'ala. Pourquoi ? Donc, parce qu'il s'est traité de lui-même. Ce n'est pas nous qui avons été, yani, la cause, je dis la cause, c'est-à-dire d'avoir ajouté des choses. Sinon, le fait de le changer du soleil yani, vers l'ombre, on est la cause. Non. Mais si par contre le vin a été traité jusqu'à ce qu'il devienne du vinaigre, en y ajoutant des choses, comme par exemple du vinaigre, ou bien du sel, ou bien des oignons, ou alors on le met sur le feu, on allume un feu, on le met dessus avec l'intention de le traiter, alors ce traitement est interdit. Et ce vinaigre n'est pas permis. Et la preuve qu'il est interdit de traiter le vin pour qu'il devienne le vinaigre, il y a un hadith sahih authentique. Il se trouve dans Sahih Abi Daoud de Cheikh Al-Albani, provenant de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, comme quoi le sahabi Talha, radiyallahu ta'ala anhu, a demandé une fois au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à certains orphelins qui avaient hérité quoi ? Ils avaient hérité de leur père du vin, tout ce qu'il a laissé. Alors ils ont appris le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on doit faire avec ? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, déversez-le. Jetez-le, déverse-le. Alors le sahabi Talha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on ne le traite pas pour devenir du vinaigre, on ne traite pas yani, ce vin. Ce vin, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, non, sahih Abi Daoud. Pourquoi ? Et on va maintenant juste yani, méditer un peu. Pourquoi ? S'il se transforme lui-même, c'est permis. Et si c'est nous qui transformons, yani, et que soyons la cause, ce n'est pas permis. Non. En fait, l'une des raisons de l'interdiction du traitement du vin, c'est en fait le fait yani, d'avoir ce vin pour le traiter. Donc, on doit d'abord avoir entre ses mains. Je vais d'abord acheter une bouteille de vin, ensuite je vais la traiter. Ça, et tout le monde sait la fitna que cela peut engendrer. Surtout pour quelqu'un, par exemple, qui avait l'habitude d'en boire, qui en a bu pendant 20 ou 30 ans, et qui maintenant, yani, il achète une bouteille pour la transformer en vinaigre. Il faut voir que les tentations sont vraiment grandes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, vous devez le connaître, il a dit, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne s'assoit pas autour d'une table où on consomme de l'alcool. Donc, s'il y a une table et des gens sont en train de boire de la bière ou je ne sais pas quoi, on me demande de m'asseoir avec eux pour boire un café ou un thé, c'est haram. Pourquoi il a dit, quiconque croit en Allah au jour dernier, regarde, subhanallah. Si vraiment tu crois en Allah au jour dernier, c'est interdit de t'asseoir. Pourquoi ? Pourtant, tu ne vas pas boire. Les tentations, les grandes tentations, naam, et la personne risque de boire. C'est pourquoi donc certains savants sont d'avis que si le vinaigre, à part le premier avis qui dit que s'il est traité de lui-même, c'est halal, il y a ce deuxième avis qui dit que si le vinaigre est traité par une tierce personne, ce n'est pas moi, c'est une autre personne qui a fait ça. Il a traité, il a dit, c'est permis. Pourquoi ? Ils ont dit, le risque de la fitna a disparu. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et cet avis, mais il a yani, un peu montré qui c'est cette personne. Il a dit dans son livre, Sharh Riyad Salihin, naam. Je pense que c'est dans Sharh Riyad Salihin ou bien Sharh Al-Mumti'a. 1-432, il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, d'autres ont dit qu'il n'est pas permis que si le vin est traité par ceux qui croient que l'alcool est permis, comme les gens du livre et les juifs, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Dans ce cas, alors, c'est permis, il est devenu pur. Mais s'il est traité par quelqu'un qui ne lui est pas permis, alors c'est interdit et impur. Il dit, c'est l'avis le plus proche, il dit, basé sur ceci, le vinaigre qui vient des juifs et des chrétiens est permis, il est pur. Parce qu'ils l'ont fait d'une manière qu'ils croient permise. Pour eux, il dit, c'est permis. Donc, ils ne sont pas empêchés de boire de l'alcool. Non. Donc, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, si le vinaigre est traité de lui-même, c'est-à-dire, là, on a parlé de ça, c'est permis. Et deuxième cas, il faudrait, s'il est traité par une deuxième personne, il faudrait qu'il soit traité par des gens qui, pour eux, c'est permis de boire l'alcool, comme les chrétiens et les juifs. Il a dit, si c'est une autre personne, non. Alors que d'autres l'ont permis, si c'est une autre personne, même ni juif, ni chrétien. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadl. Jazakumullahu khayran, cher.
Barakallahu fikum. Amin. Donc, sixième question. J'apprends l'arabe, mais il m'arrive durant la prière de changer de lettre dans ma lecture d'Al-Fatiha. Par exemple, la lettre Del au lieu de Dod. Et à chaque fois que cela m'arrive, je recommence ma prière au point de la refaire à plusieurs reprises. Dois-je continuer ainsi, sachant que c'est vraiment difficile, ou suis-je excusé et ma prière reste valable lorsque je me trompe? On a posé cette question ou bien la question suivante à Cheikh Ben Baz. Quelqu'un a dit, Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, je relis le Fatiha plusieurs fois pendant la prière parce que je me trompe en la récitant. Alors, quel est le jugement de ce que j'ai fait? Donc, Samir, ça ressemble beaucoup à la personne. Ça? Oui, subhanallah, on dirait que c'est elle-même. C'est elle-même. Hein. Réponse de Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Ce n'est pas permis. C'est-à-dire de répéter, la personne a dit, je relis le Fatiha plusieurs fois quand je me trompe. Il a dit, ce n'est pas permis. La sunna est de la lire une fois. Vous la lisez avec humilité, de façon à méditer le sens et exécuter les lettres comme il se doit. Quant à la répétition, elle est makruh. Mais si vous vous trompez, vous répétez ce dans quoi vous vous êtes trompé. Si vous faites une erreur dans un verset, vous répétez le verset et ce qui suit. Quant à répéter cela par wesawis, cela ne devrait pas être, c'est plutôt makruh. Et aussi, si on répète, il y en a par précaution. Je dis la personne dit, c'est juste par précaution, c'est makruh aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de la réciter une fois. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les prières d'Allah soient sur lui ainsi que sur ses compagnons. Il a dit, ainsi que ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il a dit, le bien est de suivre le prophète, alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Et suivre ses compagnons. Et toute bid'a est mauvaise. Donc, si vous êtes certain d'une erreur dans un verset, vous répétez le verset en corrigeant l'erreur et ne pas répéter toute la sourate. Si vous dites par exemple « Iyaka ni'bud » au lieu de dire « na'bud », il a dit « ni » ou « Iyaka ni'bud ». Il a dit, vous le répétez « Iyaka na'bud ». Ou si tu dis « Ihdina sirato al-mustaqim sirato », il a dit, tu répètes, tu dis « Ihdina sirata sirata al-mustaqim ». Bien que dhamma, le fait de dire ihdina sirata al-mustaqim au lieu de sirata, ça ne nuit pas, car cela ne change pas de sens. Il a dit, ou si tu dis alhamdulillahi rabbil alamin, n'am, au lieu de dire alhamdulillahi rabbil alamin, donc il a dit, tu reviens et tu dis alhamdulillahi rabbil alamin. Il a dit, c'est ça, sawab, le juste. Mais le fait de dire, alhamdulillah, rabbal alamin, avec rabba au lieu de rabbi, il a dit, na'am, ma yadur, ça ne fait pas de mal. Pourquoi? Car le sens ne change pas. Ou bien tu dis, alhamdulillah, rabbul alamin, au lieu de dire, alhamdulillah, rabbil alamin, tu dis, rabbo. Il a dit, il n'y a pas de mal. Subhanallah, pourtant, Fatiha, il a dit, le fait est que l'erreur qui ne change pas le sens, il n'affecte pas le sens, ne nuit pas à la lecture. Mais s'il répète le verset et le corrige, yani, il n'y a rien de mal en cela. Mais, par contre, la faute qui fait changer le sens, il doit répéter le verset. S'il lit, par exemple, اهدينا الصراط المستقيم اهدينا comme ça avec fatha نعم il a dit il recommence il répète il dit اهدينا avec kasra اهدينا et non pas اهدينا نعم il dit اهدينا il recommence نعم ou par exemple il dit اياك نعبد il a dit ça c'est faux il est en train de parler à une femme اياك il doit dire اياك نعم. Donc, il a dit, il répète, il dit « Iyaka na'bud ». Ou par exemple, il dit « Sirat alladhina an'amtu alayhim ». Il a dit, ça c'est faux, « Ghalat ». Il répète, il dit « Ihdina sirat alladhina an'amta
Parce qu'un amto, ça veut dire c'est moi qui ai donné les bienfaits. Non, c'est Allah, c'est toi, anta, un amta. Il a dit, yukhatib Allah azzawajal, il est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ou alors il dit, ihdina sirat alladina, un amti alayhim. Un amti, il est en train de parler à une femme. Naam, féminin. Donc il a dit, il répète, c'est, il a dit, mayajouz, mayajouz. Ihdina sirat alladina, un amta. Alihim. Naam. Il est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, il a dit, l'hasid al-muhim, il a dit, toute faute qui change de sens, il doit, yani, la corriger. Naam. Et ce n'est pas la peine, il a dit, de répéter toute la surat. Il corrige seulement le verset où il s'est trompé. Naam. C'est pas la peine, yani, toute la surat. Naam. Jazakum Allahu khairan, cheikh. Donc, septième question. Concernant l'héritage, je suis une femme divorcée ayant 4 filles, 8 frères et 1 sœur. Mes frères et sœurs m'ont dit que si je meurs, ils donneront leur part d'héritage à mes filles, car elles seront sûrement plus dans le besoin qu'eux. Je voudrais donc savoir si je peux leur faire signer un document ou autre afin que cet accord soit respecté après ma mort. Jazakallahu khairan, naam. Mais pour dire la vérité, la question pour moi n'est pas très claire. Parce que quand elle dit, yani ils veulent donner, yani ses frères, cette mère dit que ses frères et sœurs, yani veulent donner, yani leur héritage à ses enfants à elle. Naam. Je veux dire, quel héritage? L'héritage de leurs parents à eux, s'ils meurent, ou bien l'héritage de la mère, elle dit, celle qui a posé la question, si elle meurt. Si elle veut dire par là, l'héritage des parents, c'est-à-dire même les parents de cette mère qui a posé la question, dans ce cas, je lui dis, ils sont libres. S'ils veulent donner, alhamdoulilah, yani c'est masha'Allah. Et s'ils veulent aussi, ils sont d'accord pour qu'ils mettent un contrat dès maintenant, nam, alhamdoulilah, pourquoi pas s'ils veulent. Mais par contre, si elle entend par là, par cette question, que si elle meurt, elle, eux, ses frères et sœurs donnent l'héritage à ses enfants. Elle, dans ce cas, je lui dis, il y a des détails. On va voir, si elle meurt, celle qui a posé la question, qu'est-ce qu'elle a laissé? Bon, à part les enfants, je veux dire, bien sûr, à part les enfants. Si elle a laissé, par exemple, des enfants, ensuite, dans les enfants, est-ce qu'il y a, par exemple, un garçon? Au moins, il n'y a pas. Ensuite, si elle a laissé seulement des filles, est-ce qu'elle a laissé, yani, des parents, ils sont toujours vivants ou pas? Ensuite, peut-être seulement le père est vivant, peut-être seulement la mère est vivante, si elle meurt. Donc, il faut yani, répondre à tous ces cas. Il faut répondre à tous ces cas. Et dans le premier cas, si elle meurt, cette femme, naam, que Allah subhanahu wa ta'ala rallonge dans sa vie, dans son obéissance. Si elle meurt, naam, si elle laisse parmi ses enfants au moins un garçon, naam, et elle a le père et la mère, bien sûr les parents, et ses frères n'héritent pas. Et même si elle laisse des enfants et au moins un garçon, les parents héritent et ses frères et sœurs n'héritent pas. Par contre, si elle meurt en laissant des parents et en laissant avec eux, il y a seulement par exemple les filles, des parents et des filles, il n'y a pas un garçon. Même dans ce cas, les frères et sœurs n'héritent pas. Mais si elle meurt et elle laisse, il y a seulement une mère et des filles. Dans ce cas, ses frères héritent. Ses frères héritent quand les filles prennent leur part et la mère prend son sixième et les frères et sœurs héritent. Donc, conclusion, yani, ses frères et sœurs, si elles meurent, ils héritent à condition que parmi ses enfants, il n'y ait aucun garçon et à condition que le père ne soit pas vivant. Et les frères et sœurs héritent dans le cas où elles ne laissent que des filles, ou alors que yani, meurt et il n'y a que sa mère, il n'y a pas le père. Car avec le père ou bien un enfant, les frères et sœurs n'héritent pas. J'espère que c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam, 8e question. Quel comportement dois-je adopter envers mes proches qui refusent de retirer des cadres photos dans la maison qui contiennent des photos d'âmes de moi et de ma famille? C'est délicat car ma famille dit que je suis extrémiste, étant donné que je suis sur la voie salafia. J'ai essayé de leur faire des rappels,
mais ils ne suivent pas mes conseils. Jazakallahu khairan. Quel comportement doit-elle adopter? Le comportement yani de quelqu'un qui a de la sagesse, n'am, et qui sait que, n'am, car vous savez que quand on a une famille qui est soit kafira, soit musulman, mais vraiment loin, loin de la charia, loin de la sunna, loin, n'am, donc il n'accepte pas yani comme ça des choses facilement. Ça m'a rappelé une chose maintenant. Aujourd'hui, par exemple, une épouse m'a dit qu'il y avait des gens de la famille, yani, que je devais leur faire yani, un audio pour qu'elle envoie cet audio yani, à cette famille, la famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que, yani, y a un parent qui est mort, yani, ça ne fait pas longtemps, ils ont décidé d'aller construire, comment dire, construire sur sa tombe. Ibn Fouq al-Qabr. Naam, Cheikh, Agda. Agda, donc ils ont décidé d'aller construire, bien sûr, avec la bonne niya, que c'est un parent cher pour nous, donc on va lui faire un premier étage au-dessus de lui, peut-être même avec un ascenseur ou je ne sais pas quoi. Donc, Hadou, comme on leur expliquait maintenant que ça, ça ne se fait pas, que c'est haram, qu'il y a un hadith, qu'il y a ceci, il y a cela, des fois c'est difficile. Ce sont des musulmans ou ceux de la famille, tous ils prient et tous ils sont avec le voile. Mais il y en a qui ne demandent pas la science, donc ils sont loin. Vous comprenez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous. Donc je dis à cette personne, il faut à chaque fois que l'occasion se présente, de parler. Mais de parler avec hikmah, avec sagesse. Et yani, mou'id al-hasana, la bonne exhortation. Et de dire, yani, si vraiment vous m'aimez, vous voulez me faire plaisir, voilà ce que je demande, c'est tout, kada, kada. Si ça marche, alhamdoulilah, c'est Allah Ta'ala qui a donné yani, la bonne issue. Si ça ne marche pas, qaddar Allah, ma shafa'al. La personne devant Allah, yani, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais elle ne peut pas, par exemple, faire une fitna en allant yani, les déchirer ou les brûler ou casser ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça, par exemple, il y a beaucoup de chanteurs, par exemple, et de chanteuses ou les qui ont fait tauba, ils ont yani, de très mauvaises choses derrière eux chez des gens. Des photos, des ceci, des cela. Mais la personne se désavoue d'abord dans son cœur. Et si elle trouve une personne avec cette photo-là, elle lui dit, par exemple, yani, tu peux faire ceci ou cela, mais elle ne peut pas yani, forcer les gens. Elle ne peut pas forcer les gens. L'essentiel, c'est que la personne n'accepte pas dans son cœur et essaye yani, de proscrire yani ce mal. Si elle n'arrive pas, Allah Ta'ala voit qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jazakumullahu khayra. Neuvième et avant-dernière question. Quels sont les membres que la femme doit obligatoirement couvrir en prière? Naam. Dans cette question aussi, yani, y a beaucoup de divergences. Et ça aussi, c'est depuis yani, les premiers savants. Depuis les premiers savants, yani, c'est quoi exactement la awra? Naam, c'est quoi exactement l'aura dans la salat? Dans la salat, naam. On trouve par exemple Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz dit par exemple que la femme dans la salat, elle doit obligatoirement couvrir les pieds. Naam, couvrir les pieds. Avant cela, puisque la personne dit en général quels sont les membres et elle ne parle pas spécialement des pieds, je voudrais dire que pour une, yani, le visage, naam, dans la salat, yani, on le découvre, et les deux mains aussi. On prie à visage découvert. Sauf, certains savants ont dit, si dans la chambre où là, il y a des étrangers, des hommes étrangers, par exemple, dans ce cas, elle se couvre le visage, c'est comme si elle était, par exemple, dans la rue. Sinon, dans la maison, il n'y a personne, seulement les maharim, on prie à visage découvert et mains découvertes. Seulement, le grand problème, c'est quoi? C'est les pieds. Est-ce que la femme peut prier à pied découvert, pieds nus, ou bien doit couvrir ses pieds, ou bien doit couvrir ses pieds. Je dis, il y a une grande divergence en cela. Par exemple, les deux grands savants, Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz, disent c'est obligatoire qu'elle couvre ses pieds. Cheikh Ibn Baz dit qu'elle mette des chaussettes, par exemple, ou alors, ce n'est pas obligé les chaussettes, l'essentiel, c'est de couvrir les pieds. Ou alors, si elle a, par exemple, son djilbab qui descend jusqu'au sol et qui couvre les pieds, donc je ne suis pas obligé de mettre les chaussettes. Donc les deux, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani ont dit, c'est obligé qu'elle couvre ses pieds dans la salat. Quant à Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala,
Et notre Cheikh Ibn Uthaymeen rahmallahu ta'ala a dit ce n'est pas obligatoire. Elle peut prier à pied, yani découvert. Et le plus prudent serait de prier n'am avec yani les chaussettes ou alors le djilbab qui descend jusqu'au sol. N'am, c'est le plus prudent, c'est tout. C'est pour sortir des divergences. Mais si je vois quelqu'un prier avec pieds nus, je ne vais pas lui dire pourquoi tu as prié comme ça. Parce qu'il y a dans cette chose une grande divergence. Et maintenant, si la personne a oublié de prier avec les chaussettes, par exemple, et que ses pieds étaient visibles quand elle priait, le djilbab ou l'abaya ne descendait pas jusqu'au sol, alors on va voir. Si elle est d'avis que c'est obligatoire, alors elle doit refaire sa salat tant que son moment n'est pas encore sorti. Et si elle est d'avis que c'est permis de montrer ses pieds, donc elle ne refait pas la salat. Naam. Voilà, Inch'Allah, pour cette question, je pense que c'est l'avant-dernière, si je ne me trompe pas. Naam, Cheikh, c'est bien ça. Fadal, la dernière, qu'est-ce qu'elle nous présente ? Dixième et dernière question. Je suis une femme qui prie, alhamdoulilah. J'essaye de faire beaucoup de bien autour de moi, mais je ne porte pas le hijab. Je suis peut-être dans l'ignorance, mais je n'ai pas l'impression que c'est une chose très importante afin d'être une bonne musulmane. Pouvez-vous me dire si ma vision des choses est correcte ? Jazakumullahu khayran, Cheikh. Shukran. Pouvez-vous me dire si ma vision des choses est correcte ? Ta vision des choses est incorrecte. Non, ta vision des choses est malheureusement incorrecte. Donc, je suis une femme qui prie, alhamdoulilah, j'essaie de faire beaucoup de bien. Je dis, alhamdoulilah, tout le bien que tu fais, Inch'Allah, ta'ala, s'il est fait avec ikhlas et sincérité pour le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est accepté. Non, il est accepté, Inch'Allah, ta'ala, yani, s'il est pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour son visage. Non, et il n'a rien à voir avec ton hijab. Reste que le fait qu'il n'y ait pas de hijab et que la femme ne soit pas voilée, ce n'est pas une chose yani, facile et ce n'est pas une chose simple. Ce n'est pas une chose simple. Pourquoi ? Car le hijab ou le fait de se voiler se trouve dans le Coran et la Sunna. Ce qui veut dire que toute personne qui n'est pas voilée a contredit yani, le Coran et la Sunna, les deux. Par exemple, dans le Coran, sourate An-Nur, verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans une traduction rapprochée, il parle au prophète alayhi sallam, il dit aux croyantes de baisser le regard, de garder leur chasteté et de ne montrer leurs atours, donc d'être couvertes, d'avoir un hijab, de ne montrer leurs atours que ce qui est en Paris et qu'elles rabattent leur voile sur le poitrine, leur voile. Il n'a pas dit leur tricot, mais leur chemise, il a dit leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, même pas kafirettes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles qui sont impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées. Des femmes, c'est-à-dire des garçons qui ne pensent pas à ces choses et qui ignorent tout de ces choses. Et Allah Ta'ala dit dans Sourate Ahzab 33 au prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et voilà le témoin du cours, et aux femmes des croyants, c'est-à-dire à toutes les femmes yani musulmanes, dis-leur quoi ? De ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Bien sûr, maintenant en France, par exemple, c'est le contraire. Si elles seront vite reconnues et seront très offensées. Non. Dès qu'on voit avec le djilbab, on dit celle-là, c'est ceci, cela, et on lui dit des gros mots d'aider. Mais tout cela, ça rentre dans le ajr que la personne va trouver au Qiyamah. Il y a des grandes récompenses pour avoir été insultée pour le visage d'Allah. Elle n'a pas enlevé son djilbab et elle est restée ferme sur la droiture. Non. Donc, la femme qui ne porte pas le voile, en fait, c'est une femme qui a désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de versets qui menacent, na'am, que celui qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, de le châtier en enfer. Comme il a dit dans Sourate An-Nisa, verset 14, il a dit dans le sens rapproché, quiconque désobéit à Allah et à son messager, transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Si quelqu'un dit, oui,
mais je ne sais pas ceci, cela, je pense ceci. Mais c'est bien de penser, d'avoir dit déjà yani, l'intention d'avoir. Mais attention, quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'on fasse une chose, ou là, ordonne qu'on s'éloigne d'une chose, le croyant, yani, ce n'est pas à lui de choisir. C'est Allah ta'ala qui l'a créé, c'est lui qui lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Quoi manger, quoi ne pas manger. Comment prier, comment ne pas prier. Comment s'habiller, comment ne pas s'habiller. Et comme ça. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahzab, verset 36, dans un verset rapproché, il a dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Subhanallah al-Azim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ et dans une autre situation, أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, si vraiment je suis croyant ou croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, certes, d'un égarement évident. Chauf Allah Ta'ala a décidé d'une chose, khlas, tu n'as plus le droit de dire je vais choisir, faire cette chose ou ne pas la faire. Khlas, il a décidé, si tu es croyant ou croyante, tu dois obéir, c'est tout. Quant au hadith, on a son nombreux, qui menace la femme qui n'a pas le voile et qui montre ses atours aux hommes et à ceux qui ne sont pas des maharim. Naam. Et je vais citer un ou deux, c'est tout. Le hadith de Aïcha, radiallahu ta'ala, rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Al-Albani, très connu, vous connaissez tous, d'après Aïcha, radiallahu ta'ala, que sa sœur Asma, une fois, elle entra chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en portant des vêtements assez transparents. Alors le prophète, sallam, se détourna d'elle et lui dit, « Oh Asma, quand une fille devient pubère, il ne convient pas de voir d'elle, là, ce n'est plus permis de voir d'elle, une autre partie que ceci, ou que celle-ci. » Et il lui indiqua le visage et les mains. Cheikh Al-Albani a dit, « Hassan, ce hadith, quand une femme devient pubère, ce n'est plus permis de voir d'elle que le visage et les mains. » Pour ceux qui sont d'avis que le visage et les mains, on peut les montrer, comme l'avis de Cheikh Al-Albani. Sinon, d'autres, on dit, on ne voit rien d'elle. Dans le hadith rapporté par Ahmed et authentique, Al-mar'atu kulluha awra. Naam. Et d'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith rapporté par Muslim très connu, et ce hadith fait vraiment peur. Moi, si j'étais une femme et j'étais pas voilée, yani, j'aurais vraiment peur en entendant ce hadith. Que dit ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux catégories de gens de l'enfer. Écoutez bien, des gens de quoi? De l'enfer. Là, c'est d'où ils vont aller en enfer. Que je n'ai pas vu. En son temps, il n'existait pas encore. Il a dit des gens qui ont avec eux des fouets, comme des queues de vache avec lesquelles ils frappent les gens. Subhanallah al-Azim. Pourtant, ces gens existent maintenant. Pour savoir que le prophète, c'est vraiment, il a été envoyé par Allah. Sinon, comment a-t-il pu connaître l'avenir? Il a dit il y a des gens qui vont venir avec des fouets, avec comme des queues de vache. Vous voyez les fouets qu'on trouve chez les policiers, avec les policiers, des matraques, naam, yani les BRI, etc. C'est avec yani des matraques, naam, comme des queues de vache avec lesquelles ils frappent les gens. Certains ont dit ce sont eux. Et la deuxième sorte qu'il n'a pas vue, sallallahu alayhi wa sallam, est des femmes habillées, mais qui sont nues, qui font pencher les gens et qui elles-mêmes penchent dans sa façon de marcher. Et bien sûr, elle fait pencher les gens, c'est-à-dire attirer les gens. Il a dit, leurs têtes sont comme des bosses de chameau penchées. Il y en a des sortes de coiffures, le chignon, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin, sallallahu alayhi wa sallam? Elles ne rentreront pas au paradis et ne sentiront pas son odeur. Et certes, son odeur, ce sont d'une durée de ceci, cela. Subhanallah al-Azim. Donc, la deuxième catégorie, c'est quoi? Des femmes habillées, mais qui sont nues. C'est-à-dire qu'elles sont habillées au regard des gens. Alors qu'en vérité, elles sont nues par rapport à ce que Allah Ta'ala a prescrit dans la charia. Car elles portent des vêtements non légiférés. Donc, c'est un vêtement que Allah Ta'ala n'a pas légiféré. Allah Ta'ala a légiféré le voile, pas le tricot, le buste, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, elles portent des vêtements non légiférés.
comme des vêtements transparents qui montrent des parties du corps, ou des vêtements serrés qui moulent le corps et montrent bien les formes de certains membres, ou alors portent des vêtements courts qui montrent yani, la plupart des jambes ou je ne sais pas quoi. Dans une autre version qui se trouve dans Silsila Sahiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ? Dont il a cité le même hadith, celui-là, et à la fin il a dit « Maudissez-les, elles sont maudites. » Cheikh Al-Albani a dit « Authentique. Maudissez-les, elles sont maudites. » Qu'est-ce que ça veut dire « Maudissez-les, elles sont maudites » ? Ça veut dire « Je trouve une femme qui n'a pas le voile, je vais vers elle, je lui dis « La'anatullah alayk, tu es maudite, maudite. » Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, sallallahu alayhi wa sallam. « Maudissez-les, tu maudis la femme qui ne porte pas le voile, mais pas celle-là exactement, précisément celle-là qui est en face de moi, Aïcha ou bien Farida ou bien Samira. Ou bien... » Non, je dis en général, la'anatullah par exemple, de Mutabarijat, celle qui ne porte pas le voile. Mais je ne cite pas la personne, ou alors je la montre du doigt. Non, je maudis celle yani, qui ne porte pas le voile, c'est permis de les maudire. Comme je maudis par exemple celui qui boit le vin. La'anatullah ala matalan sharibil khamr. La'anatullah ala zounat. Je maudis les fornicateurs. Mais je ne dis pas à la personne, toi, la'anatullah alik. Parce que je ne sais pas si la personne va faire tawba demain. Peut-être il va devenir mieux que moi. Et peut-être moi, je vais aller en enfer et elle au paradis. Non. Donc je dis pour terminer, c'est la dernière question. Et c'est déjà salat al-maghrib. La personne, yani, qui ne porte pas le voile, d'un côté, je lui dis, ça ne veut pas dire que ce que tu fais de bien et le monde que tu donnes et le siyam, etc., qui ne va pas être accepté s'il est fait pour Allah. Non, je ne dis pas cela. Mais je dis, par contre, tu as désobéi Allah subhanahu wa ta'ala, tu as transgressé yani, ce verset, les hadiths, et que si la personne meurt sans le voile, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave pour elle. Vraiment grave. Je ne dis pas des kafira ou la, mais je dis, c'est vraiment grave pour la personne. Si elle va mourir, et on ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir, yani, sans porter le voile, naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide cette personne qui a posé la question à ce qu'elle change de vision, qu'elle comprenne bien que ce qu'elle fait est très grave et qu'elle mette le voile et fasse la tawba bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Samir, j'ai terminé bi'idhnillahi ta'ala. Tu as quelque chose à dire? Kamel, tu es là? Kamel, tu es là? Il n'a pas de son. Il n'a pas de son, il n'entend pas. Il entend, mais nous, on ne l'entend pas. Ah, oh, moi j'ai dit peut-être qu'il est allé mettre un voile sur la tête. C'est juste, juste pour les femmes, mais il n'a pas peur, il n'a pas. Voilà. Donc à très bientôt, inshallah ta'ala. Femme, à très bientôt. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Prochain cours, vous le saurez, inshallah ta'ala. D'ailleurs, c'est écrit ici, la date du prochain cours, vous sera yani, communiqué très bientôt. Donc sur mon site ou bien sur le Twitter. Naam. Ou bien sûr, Telegram. Enfin, on a ouvert. Yani, parle un peu de l'akhor. Tfadl. Naam, la page Facebook, da'wa.salafia.blida, elle a été mise en ligne il y a quelques jours de cela. C'est Cheikh qui s'en occupe, qui supervise le tout, qui valide les publications et qui écrit lui-même certains articles. Ce sont des articles qui sont en arabe. Il y aura aussi des contenus en français, du contenu en français pour les francophones. Donc, nous vous invitons à rejoindre cette page. Vous pouvez trouver le lien, comme je l'ai cité précédemment, da'wa.salafia.blida, ou bien il est également disponible sur la chaîne Telegram, etc. Wajazakumullahu khayra. Donc, vous pouvez trouver yani, des rendez-vous, des cours, etc. sur le Facebook aussi, Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire, c'est juste fait pour les cours et da'wa, etc. C'est-à-dire, même les amis ou tout et les autres choses. Il n'y a pas, j'ai pas d'amis sur Facebook, j'ai jusqu'à présent, j'en ai quatre. Il y en a quatre, ce sont deux parmi mes enfants et deux parmi les admins. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer pour les amis. Là, c'est juste pour la da'wa, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ni c'est pour les amis, ni pour faire rentrer de l'argent, bi'idhnillah ta'ala. C'est juste fi sabilillah. Yani parce que ici, à Blida, il y a beaucoup de faux salafis qui parlent au nom de la salafia. Donc après istikhara et après avoir demandé à certains mashayikh, ils décident inshallah ta'ala de créer cette page Facebook hein, pour que les gens ne parlent pas à notre place, surtout yani ici à Blida bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik shahadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum Sheikh.